c'est Caramella qui vous revient pour le retour de course. Et oui, j'ai fait Leclerc, Leclerc Drive et Lidl et Grand Frais. Oui, oui, et Grand Frais. Oh, j'ai chaud. Donc, je vous montre ça. C'est parti! Allez mes chatons, c'est parti. Je viens de déballer le drive. Si ma mémoire est bonne, je n'ai que ça. Ça, c'est Leclerc. Ça, c'est Lidl. Ça, c'est Grand Frais. Oui. Donc, pour le drive, j'en ai eu pour... Je trouve que j'en ai eu pour cher. 38 euros. Ouais, le drive de Leclerc. 38 euros, il n'y a rien à manger. C'est de pire en pire. Allez, je vous montre ça. Donc, j'ai repris un pack d'eau Contrex, bouteille d'un litre et demi, un pack de cristalline, bouteille d'un litre et demi. Ensuite, on vient d'entamer notre dernier dentifrice Tony Gencil, donc j'en ai repris un en stock, spécial gencive sensible. J'ai repris également un Silit Bang mousse active salle de bain, parce qu'il y avait 20% sur la carte. Du coup, ça m'en fait une deuxième. On va entamer celle qui est en stock dans la salle de bain. Et celle-ci, elle va aller dans les réserves. Voilà. Ça, parce que ça, c'est pas donné, un Silit Bang. Et j'ai déjà essayé l'Eco Plus ou la Repère. Et c'est pas efficace. Donc, pour une fois, je prends de la marque. Voilà. Et là, il y avait 20% sur la carte. Monkidou m'a redemandé du poulain grand arôme, 32% de cacao. Ça, pareil, hein, c'est pas donné. Mais il veut reboire ça, même avec, je sais, il a du diabète, faut pas boire ce genre de truc. Mais on va le réserver pour les vacances. Je lui ai repris un Dolce Gusto Nesquik, alors qu'il y en avait déjà deux en réserve, je n'ai pas regardé. Ma foi, c'est pas perdu, hein, parce que il va en boire tous les jours. J'ai pris également des Hollywood par lot de deux. Il n'y avait plus des chewing-gums de la marque Repère, comme je prends comme ça d'habitude. Vous voyez là? Voilà. Du coup, j'étais obligée de prendre de la marque. Ça va, il y avait une promotion, une réduction par lot de deux. J'ai pris également du thon entier à l'huile de tournesol, de la marque Repère, deux boîtes, parce qu'il m'en reste encore trois au frigo. On n'a plus de betteraves rouges, et franchement, je vous les conseille. Elles sont déjà découpées en cubes. Les petites betteraves rouges en dés de la marque Repère, elles sont trop bonnes, vraiment. Pour faire avec de la vinaigrette, mon kidou adore la macédoine de légumes. Je me suis dit que ce serait mieux en conserve comme ça et rajouter nous-mêmes la vinaigrette que de l'acheter toute faite. Je lui ai repris également, moi j'aime pas ça la macédoine de légumes. Je lui ai repris également les champignons cuisinés à la grecque en petite boîte. Voilà, de la marque Repère. Et il m'a redemandé des choux Bruxelles en boîte. Moi je préfère les surgelés, mais bon, il n'y a pas de souci, hein. C'est des petits choux de France, voilà, de la marque Repère. J'ai repris une grosse boîte. Pour faire à la plancha ou à la poêle, il y avait une promotion. C'était 7 euros le kilo seulement. Donc, à cette période-ci, je trouve que c'est raisonnable. À la plancha, une minute aller-retour. C'est 5 tranches plus une offerte de jambon braisé. Voilà, jambon cœur de braise. Les bons moments ensemble de petits gars. Je ne connais pas, mais c'était 7 euros le kilo. J'ai trouvé que c'était raisonnable. Ici, j'ai repris 4 tranches de jambon blanc supérieur avec 25% de sel en moins de la marque Repère. Voilà, il m'en reste encore un paquet, donc un seul suffira. Pour changer un petit peu, moi, j'aime pas ça. Du hareng fumé de la marque Repère avec... du hareng riche en oméga 3, voilà, au naturel, fumé au bois de hêtre. Bien sûr, notre indispensable et gourmand Sainte-Maure fromage de chèvre format familial. Il me reste encore 8 yaourts nature, donc j'ai repris que 4 yaourts nature délices Repère. Et puis, on reprend tout compte fait la grosse baratte de beurre de Bretagne, beurre doux, voilà, de la marque Repère. Puisque de toute façon, d'habitude, on prenait le président tendre, mais il n'est pas plus
facile à, enfin si, il est plus facile à tartiner, mais à récupérer dans le pot. Mon kidou trouve que c'est pas pratique. Donc on reprend celui-ci, voilà, puis je le mettrai dans un beurrier tranquillement. Voilà mes chatons. Allez, je range les 38 euros de Leclerc Drive. 38 euros, il n'y a rien du tout. Non mais regarde, 38 euros, voilà. T'as quelques conserves, deux jambons blancs et ça. Et deux packs d'eau. Rien ne va plus dans le meilleur des mondes. Ah si, 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 il est habillé, hein. Alors, en plus des 38 euros du Drive Leclerc, j'en ai eu pour 26 euros au magasin Leclerc de Saint-Part-au-Tertre. Je vous montre tout ça. Allez, c'est parti. Alors, hop. En premier lieu, j'ai acheté des petites gommes de la marque La Pie qui Chante. Voilà, des gommes saveur menthe eucalyptus. Alors... les gommes fraîcheurs de 265 grammes, le paquet 1,99. Ensuite, j'ai pris deux paquets de biscottes sans sucre ajouté au blé complet de la marque Pasquier. Parce que mon kidou veut manger ça en ce moment le matin. Alors, les biscottes Pasquier, 1,72€ le paquet. Il y a 36 biscottes. Ensuite, j'ai racheté 6 yaourts Activia 100% d'origine naturelle au pruneau. Les yaourts Activia, c'est 2,16€ les 6 yaourts. Il m'en reste encore 6 au frigo. Ensuite, j'ai acheté une peluche bébé, une belle petite peluche, une petite baleine comme ça, trop mimi. Vous voyez, comme ceci, toute douce. Qui était normalement à 9,50€, il y avait 70% dessus, ça la faisait à peine à 3€. Pour les futurs bébés de la famille, à vous de jouer. Et ensuite, que pour la plancha, j'ai pris un travers de porc provençal. Il y avait une promotion, 5,99€ le kilo, et pour 3,83€. Du boudin, j'ai pris tous les trucs les moins chers possibles dans les rayons. Le boudin, 6,49€ le kilo. J'en ai pour 2,67€. J'ai pris du porc rouelle à la provençale, 6,45€ le kilo. J'en ai pour 3,23€. Sachant que je voulais reprendre les côtes de porc à la provençale, mais au lieu de 6,99€ le kilo, elles sont montées à 7,90€ le kilo. Donc je n'en reprends pas. Et j'ai pris pour mon kidou également 6 merguez de volaille. Voilà. À combien le kilo ? 9,97€ le kilo. Et j'en ai pour 2,99€. Et ensuite, des chipolatas pur porc aux herbes de Provence. Là, c'est de la marque Tendré Plus, du porc français. Alors que là, les petites merguez, c'est la marque Repère. Et... les chipolatas aux herbes, c'est combien le kilo? Je crois que c'était dans les 9€ le kilo aussi. Prix au kilo, et c'est pas marqué. C'était dans les 9,90€ le kilo également. Voilà mes chatons. Voilà ce que j'ai pour 26€. La viande coûte cher maintenant, donc ça a toujours coûté cher. Hein, mais bon, là c'est excessif. Sachant que je prends la viande le moins cher des rayons. Donc... voilà mes chatons. Donc pour l'instant, on en est à 38€ de Drive Leclerc et 26€ de magasin Leclerc. Allez, je vous déballe Lidl et il reste encore grand frais. Allez, petit round suivant, Lidl de Sainte-Savine. Je vous montre ça. J'en ai eu pour 20,58€. 20,58€. Il manque des choses. Sac à papier, melon, jeune pousse. Non, 20,58€. Oh, je suis choquée, il n'y a plus rien. Regardez. Cet article, 20,58€. Je suis choquée.
3, 4, 5, 6, 7. Vinaigrette, kiwi, pain, riz, pousse, sac à papier. Ah oui, non mais 7 articles, 20,58 €. Bref, c'est parti. Alors, j'ai acheté des petites pousses, 6 jeunes pousses endives, parce que les salades en sachet, c'est pas mon truc, elles ne sont pas bonnes. 1,99 €. Ensuite, je n'avais plus de riz, donc j'ai pris 1 kg de riz basmati. Le riz, 1,90 €. J'ai repris ma petite vinaigrette à la moutarde à l'ancienne de la marque Kania, 1,99 €. Ensuite, un melon charentais, toujours le même, 1,29 €. Des kiwis, les kiwis en barquette, 2,29 €. Les 2, 4, les 6 kiwis. Ah oui, ça y est, j'ai compris. J'ai pris également deux pains, c'est les deux mêmes pains que vous voyez ici, deux pains aux céréales qui étaient à 1,99 € chaque pain. Si ma mémoire est bonne, oui, 1,99 €. Des pains aux graines. Et je sais ce que c'est, à 6,99 €. 7 €, j'ai acheté un hortensia. Voilà, un hortensia, parce que je suis invitée. Donc voilà, un bel hortensia, même avec encore plein de boutons, 6,99 €. Il est trop beau. Voilà mes chatons. C'est pour ça, il y a 7 € de plantes, de fleurs. Allez, je range les 26 €, les 20 € de Lidl, et il y a encore Grand Frais. Si, si, courage. C'est parti pour Grand Frais. Je suis allée à Grand Frais Saint-André. Grand Frais Saint-André. Et je n'ai pris que des fruits et des légumes à la pesée, comme ça, pratiquement. Comme ça, et vous allez voir les prix. Et bien, comme vous avez pu voir, j'ai cumulé avec Lidl. Et bon, on a voulu comparer les prix. Mais ça valait le coup quand même. C'est pas plus cher. Allez, c'est parti, je vous montre ça. Donc, pour Grand Frais, j'en ai eu pour 13 €. Voilà, 13 €. Et j'ai pris ceci. J'ai quand même pas mal de choses pour 13 €. Hein. J'ai pris des petites tomates en grappe. J'en ai pris pour combien ? Les tomates en grappe, j'en ai 1 kg, 1,99 €. Voilà. J'ai pris des patates violettes pour faire une salade de pommes de terre. J'en ai pris pas mal, c'est ce qui m'a coûté le plus cher. Les petites patates rouges primeurs, c'est 2,50 € le kilo. Et j'en ai 1,560 €. J'en ai pour 3,90 €. Donc 2,50 € le kilo les petites patates violettes. Les tomates, 1,99 € le kilo. Vous voyez, c'est raisonnable. Hein. Ensuite, j'ai pris des nectarines, 2,99 €. Normalement, il y a 1 kilo. Voyons voir, oui, 1 kilo des nectarines jaunes. J'ai pris également 1 kilo d'abricots. Ils sont magnifiques. Les abricots, 2,99 € le kilo. Donc, c'est les mêmes prix qu'à Lidl. Et j'ai pris également des carottes extra, 1,99 € le kilo. Et comme ça, j'en ai pris que 700 grains, ça pèse lourd. Hein. Et j'ai pu les choisir, vous voyez, elles sont très belles. Les tomates, pareil, elles sont superbes. Voilà, comme ceci. C'est souvent Lidl, moi j'y vais l'après-midi et il n'y a plus grand-chose. Les abricots, regardez ça. Hop, les brugnons, magnifiques. Sachant qu'il me reste encore une pomme. Pratiquement 1 kg d'abricots. Il me reste... Hop, il me reste encore 2 endives, 3 tomates. Bon, les brugnons, c'était pas obligatoire, mais des fois, je les mange par deux. Alors, il me reste 1 kg 3 de brugnons et j'ai mes kiwis qui sont là. Voilà. Oh, et mes endives de Lidl que je viens de ranger. Voilà mes chatons. Donc, vous voyez, là, pour 13 €, j'ai quand même des beaux fruits et légumes. Allez. Voilà mes chatons, et ben je vous ai tout montré, tout mon retour de course.
J'espère qu'il vous a donné des idées de viande à braiser, parce que là, il prévoit une canicule à partir de ce week-end, mes cocos. Si vous avez la chance d'avoir un jardin ou un balcon, de faire un petit barbecue ou une petite plancha, eh ben, ça vous a donné des idées, j'espère. Et puis, vous voyez, c'est ma sœurette qui m'a donné l'idée de faire une petite salade de patates. Et Kidou et ma sœurette m'ont dit de prendre des petites patates violettes comme ceci. Voilà, ça va changer un petit peu parce que concombre, carottes, tomates, des fois il y en a un peu marre. Voilà mes chatons. Et puis je vais faire une salade de riz aussi, c'est pour ça que vous avez vu le kilo de riz basmati de Lidl. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous, bon appétit, régalez-vous bien. Vous pouvez me donner aussi des idées recettes, hein, il n'y a pas de souci, de salade. Je pourrais faire aussi des tourtes à la tomate, etc. Mais allumez le four par ce temps-là. Je vous avoue qu'en ce moment, cuisiner, quoique j'ai fait une viande, hein, que vous avez dû voir dans mon weekly vlog, un petit émincé de poulet crème fraîche citron avec des petits lardons. Je ne vous dis que ça, rien que la sauce, c'est délicieux, pour ne pas me vanter. Allez, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous plaît. Et puis, rejoignez ma communauté. Plus on est de fous, plus on rit. Bien sûr, il faut que ma personnalité, mon contenu vous plaise. Bien sûr, ma chaîne est plus monotone sans mon Nunus. Oui, il me manque énormément. Je pense à lui tout le temps. Surtout que je continue à distribuer ses petites pâtées. Comme vous pouvez voir, il y en a encore beaucoup. Ces pâtées-là, je les donne à un petit chat abandonné, à plusieurs chats abandonnés qui sont dans la cour de l'immeuble de ma sœur. Les petites pâtées qui sont ici, je vais les amener à l'association Cat's Pat. Voilà, pour les chats abandonnés. Et là, il me reste 12 pâtées. Je donne régulièrement à mes filleules, mes petites nénettes, Lisa et Bella, les petites minettes de ma sœurette. Voilà, je leur distribue régulièrement. Eh bien mes chatons encore, merci pour tout, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, et puis à très vite, bisous. Ah, elle ne veut pas partir. Vous êtes si bien avec moi? Moi je vous aime.